Le village des sources, c'est une journée qu'on fait à part, en dehors de l'établissement, pour pouvoir ressouder la classe quand la classe elle en a besoin. Donc l'idée c'était, après m'être rendu compte fin janvier que le moral de la classe était légèrement en baisse avec des résultats scolaires qui venaient douteux, des réelles souffrances dans la tête des élèves, était de proposer cette journée de partage et de cohésion afin de remobiliser tout le monde, de regonfler un peu les cœurs et de se remettre dans le bon chemin. Alors nous avons choisi d'emmener nos élèves au village des sources pour régler des problèmes de tension entre les élèves, d'intégration, mais également des problèmes de réseaux sociaux. On voulait que finalement les élèves se sentent bien dans leur classe. Ils vont passer la majeure partie de leur scolarité ici en bac pro, c'est-à-dire trois ans ensemble. Autant commencer le cursus du bac pro finalement sur de bonnes bases et favoriser le climat social, le climat scolaire, pas social, scolaire. Lors de ma journée au village des sources, nous avons effectué avec ma classe des compliments que nous avons donnés aux autres élèves. Par exemple, moi j'avais reçu que j'étais bienveillante et gentille et cela m'a beaucoup apaisée et ça m'a redonné confiance en moi. Une activité qui m'a particulièrement plu, c'était quand on mettait tous les mauvais surnoms qu'on nous donnait sur des post-it. Après, du coup, on venait les accrocher sur un tableau pour pouvoir soit les lire à voix haute et les mettre à la poubelle, soit directement les déchirer pour qu'on se dise que ces surnoms-là n'existent plus. J'ai bien aimé les activités de la cérémonie des étoiles car cela consiste à donner un compliment à une personne à qui l'on souhaite, à qui on a de la gratitude qui nous a aidés dans un moment particulier. Par exemple, je t'envoie une étoile car tu as été présente sur un événement difficile pour moi. La personne qui reçoit l'étoile écoute le message et remercie en retour. Cela se fait dans le respect et dans l'écoute. La conclusion clairement de cette journée, c'est qu'on a retrouvé des sourires sur les visages. Je suis incapable de vous dire si les élèves vont en garder 100% ou ne serait-ce qu'1%, mais aujourd'hui on a des échanges un peu plus nourris avec certains, il y a du partage, il y a de la bienveillance, c'est 100% une réussite.